Ah là 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 là. Où sont mes éléments? Très Brian, voilà. Le Sakina, c'est comment? Brian, c'est comment? Eli Shama, c'est comment les gars? Sakina. On dit quoi? Il faut chercher le link. No problème. Ouais, le Brian, c'est comment les gars? Le Kid Doug. Loïc, Yafoy les gars. J'espère que vous avez vos. Hey, le Bassam. J'espère que vous avez vos bouteilles d'eau. Hein. Voilà. Bon Loïc. Voilà, les gars. Ouais, chérie Coco, je suis là. Aujourd'hui, je suis de votre côté. Voilà, aujourd'hui, je suis du côté des petites. Voilà. Loïc, c'est comment? Voilà, donc les gars, on va aller vite. Il y a un de mes gars là, à qui je parlais hier soir, on a parlé presque 2 heures, 3 heures de temps, de minuit à 3 heures comme ça. Voilà, donc ce qu'il me disait, il me disait en fait qu'il était dans une relation de 1 année et demie. Il a fait 1 an et demi avec la petite. Et donc, à un moment, la petite a commencé à switch side. Elle a commencé à changer de science en fait. Voilà. Donc, après, la petite le bloquait en statut. Il y a une de ses vidéos qui a fuité. Donc, il y a un de ses amis qui lui a envoyé une photo de la go avec un autre gars dans un hôtel. Entre la petite. Impossible. Oh, that shit funny, man. Entends la petite en question, en fait. Je ne sais pas comment il vous dit ça. Il ne se touchait pas pendant ces 1 an et demi, là, en fait. Il n'a jamais touché. Ils n'ont jamais eu de rapport. Vous voyez un peu, non? Voilà, ils n'ont jamais eu de rapport, tout ça. Et mon moro, il a le profil, en fait, du gentil garçon. Il a le profil du premier de classe. Et il me disait qu'en fait, il faisait tout pour la go. Quand elle lui demande si il fait, quand elle lui demande ça, il fait, il a toujours le temps pour elle. Quand il veut la voir, maintenant, elle a commencé à dire que non, mon papa doit venir. Non, mon papa dit qu'il ne faut pas être sorti. Non, ma grand-mère dit ça. Vous voyez un peu la science, non? Elle lui raconte les frappes, en fait. Voilà. Boulet. Donc, maintenant, il me demande, en fait, c'est pas un simple, c'est pas un. Bon, peut-être c'est un simple. En même temps, un bêta en fait. Voilà. C'est mon gars, mais il faut que je lui dise la vérité pour qu'il change en fait. Voilà. S'il se plaint, il va rester le même. Voilà. Pour changer, faut comprendre en fait ce que tu es vraiment et puis tu changes. Vous voyez un peu la science, non? Voilà. Donc, comme ça nous mène à notre point, à notre titre. Pourquoi les femmes trompent leur gars ou bien leur mari dans les relations en fait? Voilà. En fait, la première raison pour laquelle une go peut te tromper même, c'est qu'elle est en train de perdre l'intérêt pour toi, en fait. Voilà. Tu n'es plus vraiment intéressant. Tu n'es plus vraiment. Tu lui donnes plus vraiment d'émotions qu'elle aime avoir, en fait. Puis les femmes sont des créatures émotionnelles, vous voyez un peu. Voilà. Donc si tu lui donnes plus d'émotions, c'est clair qu'elle va chercher ses émotions-là ailleurs. Parce que les femmes sont attirées par les trucs excitants, elles sont attirées par l'amusement, elles sont attirées par tout ce qui est, Palpitant. voilà, tout ce qui est palpitant, comme mon fucking brother a dit. Voilà. Voilà, donc c'est ça en fait. La première chose, c'est qu'elle est en train de perdre l'intérêt pour toi en fait. Voilà. La deuxième chose, en fait, il n'a pas éveillé son désir. Les gars, en fait là, les histoires de. Il faut que je me lève pour vous dire ça. Les histoires de gens. Les gars n'aiment pas le sexe. Les gars n'aiment pas ci, n'aiment pas ça. Il n'y a personne qui aime le sexe que les gars si c'était. Faut qu'on le dise. Gotta say it again. Il n'y a personne qui aime les gars. Qui aime le sexe plus que les go sur cette terre. Il n'y en a rien à foutre de ce qu'elles vous disent. Moi, je vous dis la paix.
Moi, je vous dis la paix. Qui y aille? Voilà. Donc, mon moment. La vérité vous gît les yeux, mais ne les casse pas. Voilà. Donc, mon moro là, en fait, je comprends pas. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, genre, sa maman, la maman de la go lui a demandé est-ce qu'il veut la go pour une relation sérieuse ou bien il veut juste s'amuser. Donc, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas touché la go tous les un an. Et en fait, c'est principalement pour cette raison que la petite est partie. La preuve en est que la photo que son ami lui a envoyée, la petite était à l'hôtel avec le gars en train de se faire. Voilà! Donc. Oui! Sale! Oh, agacé les gars! Elle était à l'hôtel en train de. Voilà! Vous comprenez un peu, non? Vous comprenez un peu, non? Voilà! Très fort même, Loïc, toi tu sais. Donc en fait, il n'a pas éveillé son désir. En fait, une fois que. Quand tu dis let's go, plus rapidement même tu essaies d'éveiller son désir, plus ça sera mieux en fait. Claire. Je ne sais pas si vous comprenez. Claire. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez, mais éveiller leur désir sexuel parce que les femmes aiment ça. Tu ne peux jamais construire. La gosse s'en est allée, elle s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, elle n'est pas attachée à toi. Comprenez quelque chose, hein? Le sexe sacré des liens. Le sexe sacré des liens. Tu ne l'as pas touché. Elle s'en bat les couilles. Claire. Elle s'en bat les couilles. Elle n'a aucune attache pour toi. Elle est partie. Voilà. Donc, c'est pas toujours la faute des go. Les go nous trompent pour plusieurs raisons. Pour plein de raisons. Mais il y a des gars qui provoquent le fait que les go les trompent en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Il y a des gars qui provoquent ça. Si tu n'as pas pu en fait éveiller le désir de la go, c'est clair qu'elle va te tromper en fait. Voilà. Donc, aussi, voilà. Donc, voilà. Vous n'avez pas pu éveiller son désir sexuel. Il y a ça aussi. Voilà. Et le truc qui est là, c'est que il n'y a plus de mystère. Vous comprenez un peu? Une fois que tu n'es plus mystérieux, il y a ça aussi. Les femmes sont des créatures émotionnelles, comme je vous ai dit. Vous devez d'abord lui donner toutes sortes d'émotions. Aujourd'hui, tu peux lui donner une émotion de jalousie aujourd'hui. Elle peut être jalouse aujourd'hui. Demain, tu la rends peut-être triste. Après demain, hein, tu es romantique avec elle. Demain, hein, tu es un peu fâché. Tu la gosses, tu la laisses dans son coin. Elle sait pas ce qu'il y a. Man, elle va toujours rester là parce qu'en fait, elle n'arrive pas à te comprendre et elle veut te comprendre en fait. Quand tu es trop simple, quand tu es un gars, en fait, hein, on peut savoir. Genre, tu es trop là. Elle sait toujours ce qui va se passer avec toi en fait. Voilà, il n'y a pas d'excitation. Il n'y a pas d'excitation en fait. C'est normal qu'elle va te ghost en fait. Cousin, I'm telling you the truth. Je te dis la bain en fait. C'est des choses vécues et approuvées. J'étais dans une relation N-Go pendant 3 ans. Elle m'a jamais trompé. Pourquoi? Parce que je maîtrise là de lui donner toutes sortes d'émotions. Claire! Aïe! C'est clair ou bien c'est pas clair? Claire! Vous voulez que je dise encore? Parce que je maîtrise là de lui donner toutes sortes d'émotions. L'ego sont des créatures émotionnelles. Voilà. Restez mystérieux. Faut pas qu'elle sache tout sur toi. Voilà. Sinon, elle va te tromper. Faut pas qu'elle sache tout sur toi. Sinon, elle va te tromper. Une fois que tu n'es plus mystérieux, une fois que tu es bizarre, elle sait tout de toi. Il n'y a plus d'excitation. Elle peut vouloir toujours rester avec toi. Hein, mais il faut qu'en fait, elle aille chercher cette excitation-là ailleurs. Elle cherchait celle l'autre gars dans l'hôtel-là. Tu vois de quoi il parle? tu vois de quoi il parle, non? Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Les gars, on n'accuse pas les go parce qu'elles nous ont trompés. On s'accuse soi-même. Si tu te plains du comportement des go,
tu restes le même. Tu n'as pas été à la hauteur. Voilà, tu n'as pas été à la hauteur. Mm-hmm. C'est pas à elle de, c'est pas elle qui doit prendre le blâme en fait. Mm-hmm. Faut te blâmer toi-même d'abord. Okay. Voilà, il faut changer. La femme agit en fonction de l'homme qui est là. Voilà. Mm-hmm. À toi, elle peut te dire que non, je suis vierge, tout ça. Mais aide-moi là. Elle fait toutes sortes de bêtises inimaginables. Pourquoi? Parce que je lui ai montré qu'en fait, je connais la nature des femmes. Mm-hmm. Les gars, c'est tout. I got nothing to say. Mm-hmm. C'était moi. Buvez de l'eau. Je suis fin, les gars. Merci à tous ceux qui étaient dans le direct. Arrêtez de blâmer l'ego. Changez-vous vous-même. Améliorez-vous. L'ego aime les bad boys. Yeah. Voilà. T'es big vous up.